Également, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live des Moulins du Dev. Je vois déjà que certains ont hâte que ça commence, et ben voilà, c'est parti. Bonsoir à toi Coolprise, bonsoir Zen, bonsoir les autres. Voilà, bah, j'espère pour vous c'est la forme, effectivement le temps passe extrêmement vite, beaucoup trop vite, je ne l'ai pas du tout vu la semaine passée. J'ai encore des milliards de trucs que j'ai pas tout à fait fini et qu'il faut vraiment que je termine urgemment, et voilà, il y a des choses qui viennent s'ajouter en cours de route, des problèmes, des machins, des bidules à régler. Et bon, bah voilà, faut se dépatouiller avec tout ça, les semaines étant déjà très chargées, c'est un peu raide. Mais bon, on va s'en sortir, il n'y a pas de souci. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On continue Super Greek, hein. J'aimerais bien qu'on arrive à quelque chose de vraiment sympathique. Surtout que pour le moment, je trouve que ça progresse plutôt pas mal. Alors, c'est vrai que le dernier live, on n'a pas fait tout ce que je pensais qu'on allait faire. Par contre, ce week-end, j'ai complètement retravaillé l'architecture de ce petit jeu. Et on a une base de travail qui est beaucoup plus saine que ce sur quoi j'étais parti, c'était quoi, c'était juste samedi, qui, je vous l'avais dit, hein, ça me plaisait pas, je sentais que c'était bancal, c'était pas beau, c'était pas élégant, et là on est sur un truc qui est vraiment sympa, et de la même façon, vous allez voir, il y a des trucs que j'ai compris certaines choses avec Pixie en fait, et j'ai compris qu'il fallait que j'utilise Pixie comme j'utilise Babylon.js ou Sri.js quand je crée des... quand je fais des modélisations, des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec des conteneurs et après on est sur un système de calque. Alors c'est vrai que dans Babylon.js et puis dans Sri.js, la notion de calque, il n'y en a pas puisque c'est la perspective qui va faire les choses, qui va faire les ensembles. Mais là, la notion de conteneur et de calque a vraiment son importance parce que ça va définir également l'ordre dans lequel les objets sont dessinés. Et ce qui fait que du coup, ben, c'est ça qui va définir si on a des objets qui passent en dessous les uns des autres. Et donc, si on veut avoir des choses qui s'affichent correctement, ben, il faut les concevoir tout simplement correctement. Donc, toutes ces choses-là, on va les voir ce soir ensemble. Je vais vous montrer un petit peu, je vais repasser sur le desk pour vous montrer un petit peu les modifications que j'ai apportées. Là, vous avez quand même une vue magnifique de l'univers Super Greek avec des arêtes de poissons dans tous les sens. Vous avez Super Greek qui se déplace et qui maintenant, en fait, se déplace déjà de manière fluide et puis saccadé comme c'était le cas avant. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait ça, en fait de la même façon que se déplacent les arêtes de poisson à l'écran. Et j'ai réussi à retravailler le laser. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien vous sur votre écran, mais là j'ai vraiment l'effet que je voulais avoir, c'est-à-dire ce côté un petit peu, bon, déjà une double coloration, c'est un laser rouge mais davantage jaune sur la partie centrale pour dire attention, ça va sérieusement piquer, et puis un effet autour du laser un petit peu bruité qui je trouve rend plutôt pas mal. Et là on voit bien que ça part des yeux, donc ça c'est plutôt cool. Donc maintenant, voyons voir un petit peu comment ont été faites les choses. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai publié ce coup-ci sur Git l'ensemble des codes sources. Donc, vous pouvez récupérer ça. Je l'ai mis également... Salut Seb, bonsoir à toi. Donc, je l'ai mis sur GitHub. Vous pouvez télécharger tout ça. Je vous ai mis quelques instructions pour voir comment le récupérer chez vous, comment transpiler les fichiers TypeScript en JS et comment donc démarrer le jeu derrière. Ce que je vous ai rajouté également dans la doc, je ne sais pas si Git est capable de le lire. Non, il n'est pas capable, donc on va l'afficher à côté. Mais donc, je vous ai mis la modélisation UML du projet au format draw.io. Et comme ça, ça vous permet de voir également un petit peu la nouvelle architecture que j'ai mis en place. Salut Louis, bonsoir à toi. Donc, on va regarder tout ça. Et puis ensuite, je vais vous montrer très rapidement les modifications que j'ai fait au niveau de Pixie pour pouvoir avoir les affichages qui font exactement comme on le veut. Et Louis qui arrive avec un abonnement directement sorti de son chapeau. 8 mois que je te torture. Oh ouais, mais alors je vais te dire un truc, si toutes les tortures étaient comme ça, en gros je vais devenir SM quoi. Salut Frédéric, bonsoir à toi également. Voilà, donc je vais lancer draw.io. Donc c'est juste, voilà, je vous ai mis ça. Would like to download, tout de suite quand même. Je vous ai fait une petite, une petite modélisation de ce que je voulais vous montrer en fait la dernière fois. Je respecte mon choix. ce que je vous avais dit la dernière fois, c'était que à l'initial, on était parti sur quelque chose où en fait tout était interdépendant, c'est-à-dire qu'on avait du Pixie.js dans toutes les parties quasiment du code, et ça c'était pas bon parce que ça veut dire qu'on a un couplage complet entre notre code métier et puis la technologie d'affichage qu'on utilise. Or, si un jour on veut changer de technologie d'affichage pour une raison X ou Y,
par exemple, la bibliothèque n'est pas maintenue, ou on en a trouvé une qui nous semble plus adaptée à notre projet, etc., eh ben, je suis obligé de venir modifier l'intégralité de mon code partout où j'utilisais du Pixie.js. Et je vous avais dit la dernière fois, ce qu'il faut absolument qu'on arrive à faire, c'est scinder les deux, faire en sorte qu'on ait d'un côté notre application qui représente le jeu Superbrick, et d'un autre côté, les éléments qui vont permettre de faire l'interface entre notre jeu et puis la technologie d'affichage qu'on veut utiliser. De manière à ce que le jour où on veut changer de techno, on n'ait que ça à modifier, et tout le reste de l'application finalement reste intact, on n'a pas à toucher, on n'a pas à refaire de test, autre chose comme ça, on n'a pas à valider ces parties-là de l'application. Du coup, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne une architecture un petit peu comme ceci. Donc, ne prenez pas peur. Ça va peut-être être un peu petit, surtout pour ceux qui regardent sur le téléphone. Je vais essayer de zoomer un petit peu, puis je vais fermer cette fenêtre-là, par exemple. Donc, on retrouve ici le jeu, hein, donc la classe Game, qui va être un peu le chef d'orchestre de notre jeu. Ensuite, on retrouve la classe Waste, donc qui s'occupe de gérer les déchets. On a ici notre classe SuperGruik, et en fait, je suis reparti sur l'idée que SuperGruik et Waste, en fait, héritent de GraphicalItem. Donc, GraphicalItem, un élément graphique qu'on va avoir. Donc, GraphicalItem, en fait, son objectif, c'est juste de représenter un élément graphique dans la page. Et donc, cet élément graphique, il a des coordonnées, il a un angle de rotation, il a une échelle pour régler l'échelle dans laquelle on l'affiche. Il a l'URL d'une image qui va représenter l'élément graphique. Et puis voilà. Et donc il va avoir également des méthodes update et destroy qui pourront être redéfinies par des classes filles. J'ai rajouté une classe coordinate et puis donc de waste. Pour le moment, j'ai hérité d'un seul type de déchet, c'est les arêtes de poisson. Et ensuite, on va voir qu'on va pouvoir l'hériter en des waste pizza, il y en a d'autres, waste banana, etc. Donc on va pouvoir faire. Au niveau des éléments graphiques, j'ai créé une énumération pour définir les différents types de déchets qu'on va être susceptible d'avoir. Et puis, on va retrouver ici la fameuse GraphicalItem Factory, qui là, pour le coup, j'ai retransformé ça en une interface en me disant, bah, en fait, on n'a pas besoin d'implémenter les objets tant qu'on ne sait pas comment les représenter. Et en fait, cette usine, ou cette fabrique d'éléments graphiques, elle a deux méthodes. Une méthode createWaste, qui permet de créer un déchet, et une méthode createSuperGreek qui permet de créer un SuperGreek. Voilà. Et à partir de là, en fait, ben, notre jeu, il est, entre guillemets, capable de fonctionner. Et donc, là, ce qui va être intéressant, c'est qu'avec cette architecture-là, ben, vous voyez, enfin, vous ne le voyez peut-être pas, mais je vous le dis, là-dedans, à aucun endroit, on parle de Pixie.js. Nulle part, on parle de l'élément graphique. Et en fait, sur la droite, la partie violette, eh bien là, on a justement une fabrique de GraphicalItem Pixie. Donc là où effectivement il va être capable de créer un Waste et un SuperGreek, mais qui va être capable de se dessiner en utilisant la bibliothèque Pixie. Là on a notre SuperGreek Pixie avec des éléments supplémentaires en plus sur la création des lasers, etc., l'update des lasers et tout ça. Et on a un WasteFish Pixie qui permet d'afficher ben, justement une arête de poisson avec Pixie. Et en fait, en faisant ça, ben, au niveau de mon application, pareil, j'ai rajouté un MVC, donc j'ai un contrôleur et une vue, la vue qui s'occupe vraiment uniquement de l'affichage. La vue, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, quand elle est initialisée, elle crée justement une application Pixie qui va lui permettre ben, d'afficher des choses à l'écran. Elle va créer une fabrique GraphicalItem Pixie et elle va transmettre ça au contrôleur qui va transmettre cette fabrique au game. Et comme le game, lui, travaille avec une GraphicalItem Factory, et que GraphicalItem Pixie Factory implémente GraphicalItem Factory, bah, le fait qu'on lui donne un élément Pixie, il va pouvoir travailler avec, parce qu'il va retrouver exactement les mêmes méthodes dans les deux fabriques, puisque Pixie Factory implémente bien toutes les méthodes de GraphicalItem Factory. L'intérêt de ça, bah, c'est qu'en fait, tout mon code Pixie est situé dans la vue, et dans ce Pixie interface, dans ces trois classes-là. Et ce qui fait que le jour où je veux passer, par exemple, sur Babylon.js, eh bien, je n'ai que la ViewGame à redéfinir et les trois classes qui sont ici. Et tout le reste, ça va être complètement transparent. Il n'y a rien d'autre à faire. Ce sera tout pareil. Donc, du coup, ça passe plutôt crème et c'est plutôt sympa. Allez, on commence par quoi? Est-ce qu'on ne commencerait pas par faire notre barre de puissance qu'on afficherait dans le GUI, là, un petit peu en haut, pour que ce soit pas mal. Sors l'appel pour creuser. Louis, qu'est-ce que à cause du plus 2? Mais non. Alors, on peut commencer par les collisions, si tu veux. Alors, les collisions, alors, super gruy qui vole, hein, on est d'accord. Donc, techniquement, il n'y a pas de collision
entre Super Gruik et puis les arêtes. Par contre, effectivement, il faut qu'on détecte que le laser, il est au niveau de... il est sur l'arête. Ça, c'est clair. Donc là, on est d'accord. Donc, bon, allez, hop, si vous voulez qu'on commence par ça, on commence par ça. On est parti. Donc, nous, on a notre Super Gruik qui est ici. Et Super Gruik, normalement, il a une méthode. On va aller voir aussi dans le corps. Je ne sais pas d'ailleurs si j'ai fait ça. Donc, on a le Stop Fire, on a le Start Fire, donc, qui permet de dire, eh bonhomme, commence à attirer. Et voilà, et donc, on a deux choses. On a le This.Engaged, donc on a un attribut qui permet de savoir que le Super Gruik est en train de tirer. Il peut louer une pelleteuse, ça va être mieux. Alors, putain, si Cool Freeze se met à faire des... Non, non, ça suffit, hein. Je peux en avoir qu'un, un par live. Le rôle est attribué. Après, moi, je vais craquer. Donc, This.Engage, ça veut dire que le Super Gruik est en train de tirer. Et donc là, on a les coordonnées de la cible sur laquelle on est en train de tirer. Et donc là, quand on stop fire, bah, on met à false le engaged et on met la target coordinates à nul. Donc ça, c'est ce qui nous permet de gérer les tirs. Et normalement, dans Super Gruik Pixie, on a une méthode, donc la méthode update laser qui s'occupe de dessiner les lasers. On a un remove laser, create laser, et on a le get eyes coordinate. Et là, par contre, je pense qu'effectivement, le get eyes coordinate, il n'est pas forcément au bon endroit. C'est-à-dire que si j'ai les coordonnées de la target, ce serait bien que get eyes coordinate, ce soit pas dans Super Gruik Pixie, mais que ce soit dans Super Gruik, parce que bah, de toute façon, qu'on soit avec Pixie ou une autre techno, les yeux ils sont toujours situés au même endroit. Donc, ça, je pense que Get Eyes Coordinate, on va le mettre dans Super Gruik. Et par contre, on va pas le mettre en privé comme méthode, mais on va le mettre en public. Donc, hop, je vais la rebasculer ici et on va la mettre en public comme ceci. Voilà. Ce qui fait que du coup, normalement, Super Gruik, il n'a pas de lézard à utiliser le Get Eyes Coordinate, qui doit être utilisé ici. Voilà, il n'y a pas de souci, puisque ça appartient à son parent et qu'il y a accès. Donc, maintenant qu'on a nos deux coordonnées, donc ça, c'est cool. Et puis, on a comment? Nos déchets, qui sont des graphical items, et qui ont du coup également une coordonnée. Alors, ils ont même plus que ça. Puisqu'en fait, le wastefish, il va avoir une coordonnée et il va avoir du coup une dimension également qui va être définie par la taille de son sprite et puis qui va être définie par l'échelle d'affichage. Hein. Donc dans un graphical item, on a un attribut scale qui permet de définir justement un coefficient pour l'afficher de manière plus ou moins grosse. Et typiquement, quand on charge un wastefish pixie, je ne sais pas si c'est ça. On lui fournit this.scale. Donc là, en fait, ça doit être directement dans WasteFish, où j'indique voilà, que j'ai une échelle de 0,2 ici, qui est directement définie par le déchet. C'est lui qui définit quelle est sa taille. Alors oui, on va faire en sorte que le laser alors, puisse surchauffer, je ne sais pas, mais en tout cas, qu'il y ait une barre de puissance qui fait qu'au bout d'un moment, bah, voilà, mal aux yeux, hein, ça pique à force de tirer comme ça des lasers par les yeux, il y a un moment, t'as les rétines qui surchauffent, comme tu dis, donc on ne pourra plus tirer pendant un moment jusqu'à ce que la barre de puissance se recharge intégralement. Donc ça, c'est un truc qu'on va devoir traiter également. Donc maintenant, la question qui va se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on gère les collisions. Alors, je ne sais pas si pixie.js a déjà un truc pour gérer les collisions ou pas, ce serait tout, cool, mais on va voir. Alors, j'ai un collision detection pixie.js. Est-ce qu'on doit se taper les calculs nous-mêmes avec un bounding box ou pas? Alors, déjà, je vois que j'ai un ra.getBounds. Est-ce que ça voudrait dire que le sprite a directement une méthode getBounds qui fournit la largeur, la hauteur, les coordonnées, tout qui va bien? On va regarder ça tout de suite. On va se mettre sur, par exemple, le Super Gruik pixie. Et Super Gruik, donc, il a son sprite à lui. Donc, si je fais un this.sprite, est-ce que j'ai un truc qui s'appelle GetBound? Ah, mais oui, on l'a. Merveilleux. Et donc ça nous retourne un pixie.rectangle. Et ben voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre une méthode virtuelle dans le graphical item qui va s'appeler bon, peut-être GetBound, justement, qui sera virtuel pur. Donc, c'est-à-dire que par défaut, en fait, ben, on ne sait pas trop comment retourner les choses et quoi retourner.
Et puis, dans Superheroic Pixie, on va redéfinir cette méthode-là de manière à retourner les informations qui nous ont fournies par sprite.getBounce. Et comme ça, ce sera tout bon. Ça peut se débugger facilement le TS en pas à pas. Alors oui, techniquement, tu peux le débugger. Notamment, tu vois, si c'est sur Studio Code, ce que je vais faire, par exemple, tu vois, je vais couper Superheroic ici qui tourne avec WAMP. Et puis, je vais me mettre au niveau de l'application. Je vais me mettre mon petit point de un petit point d'arrêt ici. Je lance l'exécution avec 2IS Express. Activer le débugage JavaScript. Alors, vous devez définir un point d'arrêt dans votre code JavaScript, mais le débugage JavaScript est désactivé, si tu veux. Voilà, on va lancer ça. Alors là, on a un petit souci, c'est normal, c'est parce qu'on est pas dans le bon dossier. Il faut juste que je rajoute slash dist. Donc, en anglais, machin et tout. Et alors, ah, il l'a pas pris là, parce qu'il est pas en débugage TypeScript, le cochon. Il est. Ah oui, putain, il est. Oui, le con. Est-ce que j'ai généré les points map? C'est pas dit. Alors, on va aller voir. TS-config. Normalement, on a un truc sur les maps. Source map. Voilà. Et donc, on va mettre un true. Le source map, c'est ce qui permet de faire le lien entre le fichier JavaScript et puis le fichier TypeScript. Donc, si on ne génère pas les deux, forcément, il n'y a pas de lien possible. Donc, on va essayer de se faire un petit truc comme ça. Et on va voir si, quand je relance, est-ce que je vais avoir mon point d'arrêt. Alors, forcément, il me rembête à nouveau. Il faut que je change ça dans le projet. Voilà. Et donc là, effectivement, tu vois, il y a le lien qui est fait entre les deux. Et donc, à partir de là, bah oui, je peux complètement débugger. Donc, tu vois, je vois que this, par exemple, c'est bien un Superheroic app. J'ai le prototype, j'ai accès à tout ce qu'il y a dans le prototype, etc. Et donc, ensuite, bah, je peux faire du pas à pas. C'est quoi? C'est F10 sous VVS. Voilà. Donc, hop, là, maintenant, j'ai accès à mon this.controller-game. Je peux rajouter des espions, des trucs comme ça. Donc ça marche nickel bien. Vraiment, ça, c'est... ça, c'est top. C'est top. Donc voilà pour la petite information. Et puis vous avez vu, c'est super rapide quoi. 2IS Express, maintenant ça se lance en un claquement de doigts. Donc c'est vraiment cool. Alors, merci Louis, merci. Mais bon, c'est surtout VS hein, qu'il faut applaudir. Moi, je suis pour pas grand chose là-dedans. Donc ce qu'on a dit, dans Graphical Items, on va se mettre une petite méthode abstraite. Et qui va s'appeler donc abstract, et on va appeler ça donc getBound. Bon, ça me va bien. GetBound, qui va nous retourner. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne un rectangle? Est-ce qu'on retourne... Moi, je serais bien dans l'optique. On va faire un truc un petit peu... On va faire un truc peut-être un petit peu barré. Alors, c'est peut-être hardcore pour ce soir, du coup, je n'aurais jamais fini à 8 heures. Mais non, si, bon, je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Oh, si, on va le faire comme ça. On va le faire comme ça. Dans un premier temps, on va le faire simple. Et après, éventuellement, on compliquera. Mais ouais, on va faire ça. On va se dire que ce qu'on va retourner, ce n'est pas un rectangle pour le coup. Parce que ça, c'est un petit peu trop simple. Le sprite, effectivement, c'est des dimensions rectangulaires et tout. Donc, par défaut, on va retourner un rectangle. Mais ça peut être intéressant de se dire, on va prévoir quelque chose d'un peu évolutif. Et on va se prévoir plutôt des formes, des shapes, qui vont être définies par des suites de segments. Et comme ça, en fait, ben, ça permet de dire, d'avoir quelque chose de plus fin, si on le souhaite, de manière à avoir vraiment une collision plus fine entre différents angles. Je pense qu'on va se faire un truc comme ça, et finalement, pour gérer cette boîte englobante, mais qui ne sera pas une boîte, qui sera une forme, tout simplement, et bien je me dis, par la suite, ça permettrait peut-être de faire évoluer, d'avoir un truc plus cool. Alors, est-ce qu'on se fait vraiment suer ce soir, ou est-ce qu'on travaille avec des rectangles? Tiens, bah, allez, c'est vous qui allez décider. Allez, petit sondage, on a 27 personnes qui sont là, c'est cool. Paul, forme, donc on va dire rectangle ou forme complexe, point d'interrogation, et donc c'est vous qui dites rectangle ou alors forme complexe. Voilà. Même si ce soir, a priori, on gérera que des rectangles, mais est-ce que vous voulez qu'on parte sur quelque chose d'un petit peu plus poussé? Donc globalement, pour nous, ça devrait pas changer énormément de choses. Mais voilà, c'est vous qui allez me dire. Et donc, globalement, pour le moment, on est sur forme complexe. Je ne veux pas du tout influencer le vote, hein. Vous savez que c'est pas mon... pas mon genre. 1 minute 37 seconds later. Ok, bon, ben, je crois qu'on n'a pas le choix.
Donc, on va retourner une classe shape. Et donc, cette classe shape, et bon, voilà. Construire, il n'y a pas de problème. Allez hop, ajouter. On va ajouter donc un nouvel élément. Pas du tout comme ça que je voulais faire. Tac, donc ici, ajouter fichier JavaScript, shape.ts. Hop, on va faire un class shape. On va pas faire un truc foufou, hein, je vous préviens non plus quand même. Ce qu'on va avoir en fait, on va avoir une collection de coordonnées qui va représenter bah, l'ensemble des points de la forme. Hein. Non, j'ai vu PixieJS, j'étais déjà intéressé. Ah bah ça va alors! Donc la forme complexe a été validée. Et donc on est parti. Donc on va avoir un petit member qu'on va appeler, moi je vais mettre points. Et puis donc ce sera un coordinate. J'ai mis un S à coordinate. Ouais. Coordinate, crochet, crochet. Voilà, comme ceci. Donc, petite tabulation pour valider tout ça. Ensuite, on va se mettre un petit constructeur que voici. Constructeur, donc, qui va initialiser notre petit points. Hop, points est égal à crochet, crochet. Voilà, voilà. Et puis, à partir de là, donc, on va se faire un truc. Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais machin, tu mets ton point qui est accessible depuis l'extérieur. Alors, déjà, pas en 7, si on est d'accord, mais effectivement, je vais laisser le point accessible de l'extérieur pour qu'on puisse ajouter des trucs, enfin le tableau accessible de l'extérieur pour qu'on puisse ajouter des points plus facilement. Donc du coup, quand je reviens sur mon graphical item, on retourne bien des shapes, et bah, c'est tout. Mais on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on construit de shape. Par défaut, on ne sait pas le faire. Et donc, tout ça, on va le redéfinir directement au niveau de SuperGrid, par exemple. Donc SuperGrid, on va redéfinir la méthode getBounds. Donc, qui retourne, on a dit un shape. Voilà. Et donc, n'ayez pas content parce qu'il n'y a pas encore de shape retourné. Donc, ça, c'est pas grave. Donc, on va faire un const shape est égal à new shape. Jusque-là, tout va bien. On return notre petit shape. Alors, on pourrait dire le shape, c'est la bounding box. Hein. On pourrait l'appeler comme ça d'ailleurs. Hop. Mais, ouais. Hop. Et donc là, bounding box. Voilà, et cette bounding box, en fait, donc on va la construire à partir de ce que va nous retourner Pixie sur notre petit sprite. Donc nous, on va faire un this.sprite.getBounds. Hop, voilà. Donc ça nous retourne un Pixie rectangle. Donc nous, on va avoir un const rect est égal à ça. Et à partir de ce rectangle-là, qui est un objet qui appartient à l'environnement Pixie, hein, donc nous on peut on veut pas intégrer ça dans le corps de notre appli dans le cœur de notre application, pardon, dans notre code métier. Donc on va le retransformer en un objet standard entre guillemets, alors, en tout cas qui fait partie du métier et donc on peut manipuler. Et si demain encore une fois on change de techno d'affichage graphique, eh bien pareil, on reconvertira le format de la bounding box qui nous est fourni dans un format qui nous est propre au niveau du code métier. Et ce qui fait que ben, derrière, pour nous, c'est juste de la traduction. Il y a un interfaçage qui se fait entre les deux. Mais notre code métier ne dépend pas de Pixie pour pouvoir fonctionner. On n'a pas besoin de se manipuler des Pixie.rectangle. Parce que le jour où on ne veut plus utiliser Pixie, ben, c'est cuit. Voilà. Donc, notre bounding box, comment est-ce qu'on va faire ça? On va lui dire bounding box. Point, on a dit que c'était points. Alors déjà, si bounding box, je l'écris pas comme. Ah, j'ai oublié le U. Bounding. Et non pas bounding. Bounding box. Point point. OK. Point push. Et donc là, il va nous falloir justement des coordonnées. Donc new coordinates. Et là-dedans, il faut qu'on lui donne un X et un Y. Donc, le X et le Y, il me faut, il me faut, il me faut. Ben, rect. Point. Ah oui, alors en même temps, oui, moi je dis une connerie. X de point, rect point. Ok, donc là on va avoir des choses. Alors là, je pense qu'on va faire une petite. Qu'est-ce qu'on a? On a du left, on a du right, du top. Ah, c'est pas mal ça. Du X, du Y. Ah, faut qu'on aille voir la doc. Alors, pixie.js. Hop, API docs, et moi je veux le pixie.rectangle. Qu'est-ce que tu nous mets là-dedans, petit pixie rectangle? Hop, oui, alors ça, c'est le truc que je vous disais, c'est que
Si tu sais ce que tu cherches, il n'y a pas de problème. Tu as la doc et la doc est plutôt bien foutue. Mais il faut savoir ce que tu as envie de trouver. Donc on a X et Y. Donc ça, pas de souci. C'est la Ah, ok. Coordonnées du coin supérieur gauche du rectangle. Ok. Et width et height. La largeur et la hauteur. Bottom, return the bottom edge of the rectangle. D'accord. Donc c'est mais c'est une coordonnée. Ok. Height, number, default value 0. Alors ça, c'est intéressant. Ah oui, non, non, c'est une connerie, c'est pas intéressant du tout. Bah, on va essayer de travailler avec left, top, etc. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, on va se faire une petite déstructuration. Fukato est là, donc c'est le moment de le faire. donc, on a top, on a bottom, on a, en écrivant correctement, on a left et on a right. Voilà. Et donc, du coup, bah, si je veux redessiner quelque part un rectangle, eh bien, il me faut un premier point qui va être situé en haut à gauche, donc left en X et Y bottom. Voilà. Ensuite, il va me falloir un point, pas bottom, top, pardon, excusez-moi. Hop, top. Ensuite, il nous faut un point qui va se situer à droite. Hop, et donc en haut. Ensuite, il va me falloir un point qui est situé à droite, mais en bas. Un point qui est situé en bas, mais cette fois-ci à gauche. Et puis, on reboucle sur ce point-là pour fermer la boîte. Est-ce que c'est intéressant de mettre le dernier point? On va dire que oui pour le moment, comme ça, on ne s'embêtera pas. Donc là, je crée ma bounding box. Et bah, du coup, normalement, je dois avoir ces informations-là. Donc, le getBound, ça marche pour le Super Quick Pixie. Et voilà, ça, c'est le truc qui est un peu chiant dans cette conception-là. C'est le truc qui m'embête un peu. C'est que je suis obligé de le définir. Alors, en même temps, c'est pas complètement illogique. Ça peut sembler con. Parce qu'on va avoir de la redondance de code. C'est-à-dire que le getBound, je suis obligé de le faire dans Super Quick. Et je suis obligé de le faire dans WasteFish Pixie. Donc, je suis obligé de le faire dans les deux. Et en fait, là, on va avoir exactement le même code. Donc ça, c'est vrai que ce n'est pas très très intéressant. Il faudrait presque faire une méthode Pixie Bounds to Shape, par exemple. Ou Pixie Rectangle to Shape. Et puis qu'on appelle dedans. Mais par contre, c'est vrai que ce n'est pas déconnant de redéfinir à chaque fois GetBounds dans Super Quick Pixie et dans WasteFish Pixie. Parce que si justement on veut affiner la zone de collision de notre objet, bah forcément on n'aura pas la même forme à définir pour Super Greek et on n'aura pas la même forme pour une part de pizza ou pour une arête de poisson. Donc c'est logique après qu'on ait des choses qui soient différentes. Bon là on a un peu de redondance de code. Ça pourrait être pas mal de se faire une espèce de petite boîte à outils. Avec justement la conversion qui se fasse, ça pourrait être plus propre. Tiens, allez, on va être fou, on va le faire. Je vais me faire ajouter fichier JavaScript. Je vais appeler ça pixietools.ts. On va faire une classe statique. Donc pixietools. Voilà, enfin faire des méthodes statiques dedans. Et donc je vais faire une statique pixie rectangle toShape. Et donc, on lui fournit un rect qui va être donc un pixie.rectangle. Et ça va nous retourner un objet de type shape. Voilà. Et donc, bah, en fait, ce qu'on faisait dans Super Greek, pixie.js, tac, ici, ce morceau-là. Ploup, 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 bon, en fait, tout. Tout simplement tout. Tout, ça va aller ici. Ça, du coup, on va le rappeler shape. Ce sera plus cohérent. On remplace ça, 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 ça et ça. Alors le rect, est-ce que c'est... Oui, ou en même temps c'est le rectangle. Donc sprite.getBounds. Bah là en fait non, c'est rect qu'on va donner. Et ce qui fait qu'ensuite, moi dans mon Super Greek, ça sera quand même plus propre je pense, Super Greek Pixie, on va faire un getBounding box est égal à pixie tools. Point, pixie rectangle to shape de this point sprite point get bounds. Voilà, et en fait toute cette partie là ça saute et même là en fait on peut faire directement un
return de ça. Et là, effectivement, je trouve que c'est un petit peu plus propre, selon moi, parce que du coup, on n'a pas cette redondance de code, on n'a pas le copier-coller. Et puis si demain, si tout à l'heure, on a le temps de faire la pizza, bah voilà, on fait notre pizza et on est tranquille. J'ai pas compris l'histoire des coordonnées, pourquoi on les pousse dans Shape, pourquoi 5 fois si c'est un rectangle, 4 fois ça suffit pas à faire le tour. Alors, en fait, si tu veux, mon idée c'est de dire, voilà, aujourd'hui effectivement on travaille avec des rectangles, mais peut-être que, là du coup je le vois plus mon super Gruic. Alors, super Gruic, est-ce que je vais le retrouver là comme ça directement? Alors, là, ah oui, bah non, non, c'est pas celui que je voulais, donc localhost slash lmd slash LMD super Gruic, mais le vrai, le bon, voilà. Tu vois, si je veux faire les choses bien plus tard, ce qu'il faudrait, c'est que je détourne complètement la forme de mon super Gruic, ou au moins d'une manière un petit peu plus précise que simplement gérer un rectangle. Donc, si je gère ça juste avec une boîte englobante, demain, je ne peux pas le faire évoluer pour avoir quelque chose d'un petit peu plus light au niveau de la box, si je veux gérer des collisions avec des trucs particuliers ou quoi. Avec une shape, avec une forme, je peux. Et en fait, cette forme, elle va être constituée de segments. Et donc, pour pouvoir recréer ces segments-là, bon, en fait, je donne juste les points, les extrémités des segments. Et puis comme ça me crée tout. Alors effectivement, le point final, je ne suis pas obligé de le mettre, parce que je pourrais très bien dire que je connecte le dernier point avec le premier. En fait, le seul truc que je suis en train de me dire, c'est que ça me permet de tout gérer en une seule boucle, sans avoir à la fin à dire, bon, bah, comme je suis au dernier élément, je prends aussi le premier, etc. C'est juste pour m'éviter des ifs par la suite. Mais techniquement, il faudrait quand même les mettre pour s'assurer qu'on a bien une forme qui est fermée avant de pouvoir tester une collision. Voilà. Donc c'est plus compliqué que de gérer un rectangle, mais l'idée, moi j'aime bien toujours travailler avec l'optique d'être évolutif, même si ce jeu a peu de chance d'évoluer, on va pas se mentir, mais voilà, au moins ce sera prêt, puis si un jour j'ai envie, il n'y aura plus qu'à. C'est toujours cool, je trouve, quand tu arrives sur une application que tu as développée il y a 3 ans, tu dis, oh tiens, je reprendrai ça bien, ça, je vais faire une modif là-dessus, et tu dis, ah ouais, c'est cool. J'avais déjà pensé le truc, ça va tout seul pour le faire. C'est cool. Assis, faut le faire évoluer. Alors c'est assis, virgule, faut le faire évoluer, ou c'est le A, s'il faut le faire évoluer. En genre, jamais il évoluera. C'était quoi la tournure de ta phrase, Seb? Ça manque de ponctuation tout ça, hein. On n'est pas vraiment sûr, c'est ambigu. Hein. Donc, là j'ai mon GetBoons à la fois pour le Westfish et puis le Super Gruic. Donc je suis capable d'avoir leur forme. Et donc maintenant, la tournure, il faut la tournure. Ah si, il faut le faire évoluer. Ok, ça marche. Maintenant, on a les coordonnées de la forme englobante. On a tous les segments. Techniquement, comme on est capable d'avoir l'origine des yeux, enfin les origines du laser et le... la coordonnée, la target, là où on tire avec le laser, on a la droite. Alors, il y a deux choses qu'on peut faire. Soit on peut faire un truc simple, qui dit que, en fait, on ne détruit que ce qui se trouve à l'intersection vraiment des deux lasers, donc il faut que le point de convergence soit à l'intérieur de la forme, et à partir de là, c'est la seule chose qui nous intéresse. Soit on dit que tout ce qui passe dans le laser, c'est-à-dire que même si je ne suis pas précis, je fais un truc comme ça, tout ce qui passe dans le laser, c'est supprimé. Qu'est-ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez qu'on procède? Est-ce qu'on prend la solution et comme ça scroll, on fait... Et comme ça scroll, on fait quoi? Comment ça, comme ça scroll, on fait quoi? Quand ça scroll, tu veux dire quand ça sort de l'écran? Quand ça sort de l'écran, le super Gruic, il se prend des jetons, hein. Il perd des points de vie, hein. ça c'est clair. On va se mettre dans cette partie là, donc on a la méthode update qui est appelée chaque fois qu'on fait un update de la scène, hein, tout simplement. Et dans cette méthode update, donc on va en profiter donc pour on a le west.update, donc ça leur permet de se déplacer. On a le supergruic.update qui permet de se déplacer. Ah oui, je vous en ai pas parlé de ça. Je vous ai dit supergruic, donc maintenant il bouge de manière non saccadée, tout simplement parce qu'en fait, quand j'appuie sur une flèche du clavier, ça lui dit tu montes, ou alors ça lui dit tu descends. Ça le met dans, enfin ça lui donne une vitesse en fait, une vitesse verticale qui est positive ou négative en fonction du sens dans lequel on veut aller. Et en fait, à partir de cette vitesse là, on fait comme la vitesse de défilement des arêtes sur l'écran.
C'est-à-dire qu'on lui dit, tu as une vitesse qui est par exemple de 10 pixels par seconde, il s'est écoulé tant de temps depuis la dernière fois que ta position a été actualisée, donc maintenant ta nouvelle position, c'est le temps écoulé multiplié par ta vitesse. Et du coup, ça donne le nombre de pixels avec lequel on doit le décaler. Et comme la scène est rafraîchie quand même relativement vite, bah, ça donne un effet de fluidité qui est vraiment, vraiment cool, c'est vraiment propre. Je trouve qu'ils ont vraiment géré ça très bien au niveau de Pixie, c'est vraiment nickel, il n'y a vraiment pas d'effet de saccade, c'est très sympa. Donc ensuite, on a une méthode ici qu'on voit qui s'appelle this.destroyWeight. Le destroyWeight, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde si un déchet est sorti de l'écran, alors, pouf, il le détruit. Et après, on verra pour mettre un jeton à SuperGrid dans ces cas-là. DestroyWeight, donc on l'a ici. On pourrait imaginer que dans cette méthode-là, justement, on s'occupe de savoir est-ce que le waste est touché par le laser, donc savoir si sa bounding box contient le point du laser, et puis à partir de là, bah, si elle est touchée, on la détruit sans mettre de pénalité au cochon, et sinon, on la détruit, si on s'aperçoit qu'elle est en dehors de l'écran, bon bah là on la détruit en mettant des pénalités au cochon. Donc méthode qui s'appelle contains. Contains qui va prendre justement bah, juste un point. Donc une coordinate, donc je vais l'appeler point de type coordinate, et puis qui va du coup qui va nous retourner un booléen simplement. Il faut juste savoir si la forme contient ou pas le point qu'on lui fournit. Alors tiens, juste pour information, alors je sais que je vous ai demandé sur le Discord si vous pouviez jeter un petit coup d'œil au code et me dire si vous trouviez qu'il y avait des choses qui n'étaient pas ouf, etc. Et moi, je m'étais amusé avec ce code-là, notamment à essayer de faire les surcharges de méthodes. Je trouve ça vachement cool. Ça vient aussi du C++, mais je trouve ça vraiment génial de pouvoir le faire aussi en TypeScript. Alors, pas de la même façon qu'en C++, par exemple. Quand même, c'est un peu plus light, mais je trouve ça quand même sympa. Et même si on peut le faire différemment, effectivement, en faisant en sorte que Coordinates implémente une interface qui fasse ça, je trouve ça toujours assez rigolo de pouvoir dire, bah, par exemple, je fais une autre méthode contains, donc qui porte le même nom, mais qui, au lieu de travailler avec un objet de type Coordinates, eh bien, il travaille avec un objet de type X, et qui possède deux attributs X et Y de type number, et qui retourne un booléen également. Et qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ah bah oui, il faut quand même que j'ai un truc qui s'appelle point, deux points. Voilà. Et ça, je trouve ça assez rigolo, parce que ça veut dire que je peux appeler ma méthode aussi bien en lui fournissant un objet de type coordinates, qu'en lui fournissant un objet JavaScript de base avec simplement une coordonnée X et Y. Et ça, j'avoue, je trouve ça assez rigolo. Voilà. Alors, le seul truc qui fait que c'est pas comme de la surcharge par exemple en C++, eh bien, c'est que tu es obligé d'avoir tes attributs communs qui portent le même nom. Et ça, c'est. Mais bon, c'est assez logique, hein, parce qu'il faut voir que ça n'existe pas en JavaScript. Mais bah, c'est assez. Je trouve ça assez sympa, assez rigolo que ça fonctionne comme ça. Pour savoir si un point est contenu à l'intérieur d'une forme. Bon, déjà, il nous faut la forme. Donc il me faut un this.shape. Bon, à 6.shape, qu'est-ce que je dis? Mais allons, mais allons! constShape est égal à 6.getBoons. Voilà, hop, automatiquement, je récupère ma forme englobante. Et maintenant, ce que je veux, c'est savoir est-ce que ma forme contient la coordonnée donnée. Ben, vous savez quoi? On ne va pas s'emmerder. On va faire directement, même faire encore plus, pas me faire chier, je vais faire un return. Mais finalement, ça, c'est quand même plutôt une fonctionnalité de la forme. Hein. 10.getBoons.contains de point. Délocaliser un petit peu le rôle. Techniquement, est-ce que c'est à l'objet de savoir s'il contient un graphisme ou est-ce que c'est à la forme de savoir un point ou est-ce que c'est à la forme de savoir si elle contient un point? Moi, je trouve que c'est une responsabilité qui est plutôt à décaler au niveau de la shape. Et là, en fait, vous comprenez que je ne fais que reculer pour mieux sauter parce qu'au fur et à mesure, je me rends compte des choses qu'il va falloir que je fasse pour détecter ça. le rectangle, ça aurait été tellement plus simple. Qu'est-ce que j'ai été con de vous proposer la forme complexe? Bon. Alors, j'ai. On a dit contains. Voilà, donc j'ai ma petite forme contains. On a dit qu'il prenait un point coordinates et qu'il nous retourne un booléen. Ok, donc ça, on est bien. Point. Alors en fait, le principe pour savoir si un point est à l'intérieur d'une forme, quelle que soit cette forme.
notamment quand c'est une forme qui est constituée de segments, mais oui, enfin, une forme constituée de segments. On revient sur notre petit PowerPoint que nous aimons beaucoup. Je prends par exemple une forme de type, tiens, un truc comme ça, hop, machin, et puis on va le faire pivoter un petit peu, voilà. Et ce que je veux savoir, c'est si ce point-là, ce qui serait bien, c'est qu'il soit, voilà, on va le mettre en orange, est-ce que ce point-là est situé à l'intérieur de la forme? Et bien pour savoir ça, en fait, la seule chose qu'on a à faire, c'est dire, je prends une ligne qui part de ce point et qui va à l'infini. Far, far away. Je vais essayer de la grossir un petit peu pour que vous la voyez bien. Voilà. Et en fait, à partir de là, la seule chose que j'ai à faire, c'est de compter le nombre d'intersections entre, enfin pas une droite, entre le segment qui part de ce point et les segments qui composent la forme à l'intérieur de laquelle je suis potentiellement. Si le nombre d'intersections est impair, je suis dans la forme. Si le nombre d'intersections est pair, je suis à l'extérieur de la forme. Et ça, en fait, ça marche également avec des formes complexes. C'est-à-dire que si je fais un truc un peu... Alors, ça va être tellement agréable avec ça. Attendez, hop, on va changer d'outil. On va passer là-dessus. Imaginons, donc là, je vais faire un truc comme ça. Un truc vraiment... hop, 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 hop. C'est du Picasso, hein, cherchez pas. Voilà, donc on a des formes qui peuvent être également convexes. Hein, il n'y a pas de... pas de souci. Voilà, je fais une forme comme ça. Et je veux savoir si mon point, hop, qui est ici, hein, on va le mettre en rouge, bien qu'on le voit, tac, est-ce que ce point-là est à l'intérieur de ma forme? Et bien, comme tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une droite horizontale, comme ceci, enfin, un segment horizontal. On va se rapprocher un petit peu pour mieux voir ce qui se passe. Alors, c'est pixelisé, forcément. Et là, ben, qu'est-ce qu'on fait? On compte le nombre d'intersections. Si j'ai un nombre impair, pardon, je suis à l'intérieur de la forme. Si j'ai un nombre pair, je vais être à l'extérieur. Donc là, je compte, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nombre impair, je suis à l'intérieur de la forme. Si par contre, je déplace mon point, par exemple, puis que je le mets ici, hop, et bien là, j'ai 1, 2 intersections. Nombre pair, je suis à l'extérieur de la forme. Voilà, donc ça, c'est tout simple. Et puis, ça passe super bien. Donc l'idée, c'est de faire ça. Donc d'abord, nos intersections de droite. Et puis ben voilà, alors ça va être en fait ça va être chiant à faire. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Vous savez quoi? J'ai des objets qui permettent de gérer les droites, on va les réutiliser. Hein, on va pas s'emmerder. Alors par contre, il faut juste que je retrouve. Oh d'ailleurs, je les avais pas mis dans le robot aspirateur. A few moments later. On devrait s'en sortir quand même. Je pense que j'ai besoin de maths aussi. Il va vouloir du point, il va briser. Ça va être chiant, mais on va voir. Alors, déjà, droite, il est gentil. Droite, il nous prend pas trop la tête. Alors, init vertical, init to point. Donc, init to point, c'est bien. On va juste changer point par coordinates. Et puis, comme ça, il va être content. Hop, je me change en coordinates. Hop, init coef directeur, droite, blablabla, blablabla. Bla, bla. Là, il veut du point. Hop, on va lui donner du point. Donc, ça, en fait, c'est une bibliothèque qui permet de gérer les droites. Alors, vous l'aurez compris. Et ça fait des droites qui font des intersections avec un petit peu tout ce qu'on veut. Il n'y a pas les fonctions de rotation dans le point, dans le coordinate. Voilà, il faut mettre la rotation. On a besoin. Donc, point, 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 point. La méthode copy. Ouais, en fait, j'aurais autant de comptes à mettre le code de point dans forme. Hein, c'est pas grave. C'est abominable ce que je suis en train de faire. Hein, j'en suis conscient. Hop. One eternity later. Donc du coup, droite, ça y est, c'est officiel, il n'y a plus de points rouges, on est bon. Donc on peut gérer des droites aujourd'hui, on peut gérer des droites. Et là, vous allez voir, à partir du moment où tu as une bibliothèque qui est capable de gérer les droites, eh bien, détecter si un point est contenu dans une forme ou pas, ça devient easy. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On parcourt les points de la forme. Donc on va faire un this point. Alors je vais peut-être le faire en for. Ouais, on va le faire en for. On va faire un for. Let i est égal à 0. Même let i est égal à 1. Non, i égale à 0. Pardon. I strictement inférieur à this point points point length moins 1. On ne veut pas aller jusqu'au dernier, on veut juste jusqu'à l'avant-dernier. Vous allez comprendre pourquoi. Plus, plus, i. Et donc là, nous, à chaque fois, on va créer une droite. Donc on va faire un const droite est égal à new droite. Ah, et on va faire un droite.init
two points. Et donc, les deux points qu'on lui donne, c'est le point i, donc this.points crochet i. Et puis, le deuxième point, c'est this.points crochet i plus 1, donc le point suivant. Et entre les deux points qu'on nous donne, on tire une droite. Et donc là, on a une super droite. Alors, je vais l'appeler plutôt... je vais le laisser en droite. Voilà. Hop. On aurait pu mettre edge. Oh oui, on peut dire, on est plutôt en anglais. Edge, voilà. D'ailleurs, vous notez que cette méthode, cette classe-là, je l'avais créée à une période où je connais pas forcément tout encore en français, en anglais. Donc là, j'ai dit que c'était age. Et ce qu'il va nous falloir maintenant, si je reviens un petit peu ici, c'est ce rayon-là. Donc en fait, on va tirer une droite qui va partir de notre point et qui va partir comme ça sur la droite à l'infini. Donc, il faut que je fasse ici un const, je vais appeler ça ray, qui va être un rayon, qui va être donc pareil, une nouvelle droite. Et donc ray, on va l'initialiser avec un... Alors je pourrais l'initialiser avec un point coef directeur. Donc cette méthode-là, je lui donne le point de départ, enfin un point en tout cas de la droite, et puis je lui donne le coefficient directeur. Donc moi, comme je veux qu'elle soit à plat, ben, coefficient directeur égale 0, et donc comme ça, on a une droite qui est horizontale. Ok, donc là, on est pas mal. Et maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on a une intersection entre ce rayon-là et ce côté-là? Donc, on va comptabiliser tout ça, sachant que il faut que l'intersection soit forcément située toujours du même côté. Il faut que, je reprends ce schéma-là, on va travailler avec un segment qui part de ce point-là et qui va jusqu'à l'infini à la droite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester, donc on va calculer les points d'intersection entre cette droite-là et les différents segments. Première chose, savoir est-ce que l'intersection qu'on trouve se trouve bien sur le segment. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, est-ce que l'intersection qu'on trouve se situe bien à droite de notre point-là? Puisque si elle se trouve à gauche, bah, ça veut dire qu'on est sur la partie gauche de notre droite et ce n'est pas du tout les intersections qui nous intéressent. Nous, on cherche un rayon unidirectionnel et on ne veut pas une droite complète. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tout simplement... On fait une intersection, donc on va faire un ray. Ah mais en plus, j'ai même pas besoin, je crois, de le faire. Je crois que cette partie-là, j'en ai pas besoin. On va voir tout de suite. Si je fais un ray.intersect segment, qu'est-ce qu'il me demande, intersect? Oh, il me demande directement les deux coordonnées. Bah voilà. Et salut Altanik, bonsoir à toi. Donc en fait, bah, on lui donne directement les deux points qui nous intéressent. Il n'y a pas besoin de créer la droite, celle qui s'en occupe. Elle est bien, cette bibliothèque, quand même. Elle a été bien faite. En français, mais elle est quand même vachement, vachement pratique. Et puis, la deuxième chose qu'on nous donne, par contre, c'est le point d'intersection. Donc ça, il faut qu'on lui fournisse un point d'intersection et un booléen qui dit est-ce que oui ou non, il y avait une intersection entre les deux droites. Donc là, ça va être l'intersection. Je vais mettre intersection. Je ne sais pas si ça se dit intersection en anglais. Donc ici, on va avoir un const intersection section est égal à new coordinates x 2.0, y 2.0. Voilà. Et donc ici, on va faire un if si le rayon intersecte le segment défini par les deux points que je te donne et que le point d'intersection est situé à droite du rayon, à droite du point de départ du rayon, donc ça c'est assez facile à définir. Il suffit juste donc là de se mettre un petit et en fait que intersection point x est supérieur, on pourrait même être supérieur ou égal à point, le point de départ point x, alors plus plus nb intersection. Donc en fait on incrémente le nom d'intersection, donc là on a let intersections égale à 0 et c'est oui, intersection plutôt que nb intersections et donc à la fin et eh ben on retourne intersections le modulo pourcent hein. Voilà, donc modulo pourcent 2 égal 1.
Ah, comme ça, je sais si j'ai un nombre impair. Donc, si c'est impair, hop, ça marche. Si c'est pas impair, pouf, ça marche pas. Ce qu'on va quand même faire, c'est une écharpe dans le doigt. Génial. C'est tester si ça, ça fonctionne bien quand même, parce que ça va être intéressant de voir. En fait, tout bêtement, je vais retourner dans Game. Et ici, on va regarder. Donc, j'ai mon waste. D'abord, j'ai les coordonnées qui sont inférieures à 100, donc si elles sont inférieures à 100, on dégage. Et puis sinon, on va faire un if waste. Il y a un if à rajouter ici. If this.supergreek.isEngaged. Normalement, il a une méthode isEngaged. J'ai pas fait une méthode isEngaged. Moi, j'ai juste mis engaged. D'accord. Donc, si SuperGrid est engaged, alors on va faire un if waste.contains de this.supergreek.targetCoordinates. Et alors là, pourquoi il n'est pas content, garçon? Contains, il attend quoi? Il attend un point. Voilà, il y a target coordinates. Attends, il attend. Oh, il attend un Y. XY. Comment ça, il attend un contains? Oh, je sais pas. Ah, j'ai du. Qu'est-ce que. Maintenant, contains, j'avais mis le 2. Bon, du don. Pourquoi il est désagréable comme ça? Ah, peut-être parce que après, dedans, dans le this.getBoons.contains, est-ce que c'est parce que dans shape, j'ai pas mis. Ouais, ça, à mon avis, il doit y avoir une boulettite de ce type là, donc dans shape j'avais pas remis ce morceau là. Je suppose qu'il peut y avoir un petit truc dans ce goût là. Est-ce que là il est plus mieux content? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que c'est un coordinates ou nul. Donc on va juste vérifier que ce truc là n'est pas nul. Voilà, c'est ça. Et donc là, dans un premier temps, on va juste se faire un petit console.log. Boum, voilà, histoire de changer des ok, des ici, des là, des tests, ouais, boum, hop, j'affiche ma petite console, je reviens justement dans la console de dev, on va fermer ce chapitre là, on actualise un petit coup, boulou boulou boulou, je clique à un endroit, oula, Pixie tool is not defined, et là il y en a un paquet, effectivement, et c'est pour ça que j'aime bien travailler avec... avec les modules, c'est que on se pose plus la question, mais quand tu travailles pas avec les modules, et ben t'es emmerdé. Donc il y a plein de trucs qu'il va falloir qu'on rajoute. Oui, déjà qu'on a plein de fichiers JS à mettre, et ils font comme genre on avait des coordinates, on a rajouté des droites, on a rajouté automate, mais je sais pas si je l'utilise du coup automate, je suis pas sûr en fait. Automate, du coup, il doit être tout rouge. Bah oui, parce qu'il travaille avec des points, le coquinou. Mais droite, je suis pas sûr que je fais référence à automate. Ah si, quand même. Ah si, il y a du get distance dedans. Donc il faut que je corrige également automate que j'ai pas corrigé tout à l'heure. Normalement, on devrait être pas mal. Donc je reviens sur mon petit index.html. On avait dit donc qu'on avait le automate.js. On a donc droite game automate. Il y a le shape. Shape, il a été ajouté aussi. On va se le mettre par là, voilà, super brick, blablabla, et on a Pixie Tools également, donc on s'est rajouté, hop, super brick, Pixie Tools, je pense que là, on a tout le monde, on devrait avoir tout le monde avec nous, si j'actualise un petit coup, on est bon, si je déplace super brick, on est bon, si je tire des lasers, on est bon, et si je tire dans un truc, boum, 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 boum. Bon, déjà, on voit que la fonction de contenu, ça marche, et ça marche du premier coup. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je dis, yeah. Donc, notre petite intersection, elle fonctionne. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait quand ça fait boom? Eh bien, on supprime tout simplement le truc. Donc, on fait un waste.destroy pour lui dire, tu nous supprimes ton sprite du parent. Et puis, moi, je le supprime carrément du tableau. Alors, je fais ça avec un waste, avec un splice et puis un moins moins i. Voilà. Et donc là, normalement, sous nos yeux ébahis, soyez prêts. Parce que là, attention, ça va dégommer. Ouais, j'adore. Donc là, tac, tac, tac. Voilà, c'est parti. Hein, qui c'est qui disait que ça scrollait trop vite? Sans déconner, c'est carrément trop facile. Ils n'avaient même pas le temps d'arriver. Alors, c'est vrai que si par contre,
je sors, je papote 5 minutes avec vous, et qu'ensuite, je reviens sur Chrome, en fait, Chrome, vous savez, il met en pause certaines choses quand vous regardez pas. Ah ouais, après, on va mettre un sprite de l'intégration. Mais du coup, regardez, hop, si je reviens, là, d'un seul coup, je me retrouve avec un petit mur. Alors, gentil mur, là, il n'y en a pas tant que ça. Et là, effectivement, c'est un petit peu truc, mais vous voyez que c'est, hein, voilà, hein, c'est tranquillou, si justement, il n'y a pas la barre de puissance pour dire, hé, coco, voilà, donc... Ça disparaît trop vite, ouais. Alors effectivement, il va falloir qu'après, on gère un petit peu mieux cette chose-là. Donc, mais déjà, voilà, déjà on a ça, on a la destruction. Ce qu'il faut qu'on gère maintenant, c'est notre petite barre. Alors, il y a deux choses qu'on peut faire, parce qu'il est quand même déjà 20h13. Est-ce qu'on gère la barre de puissance, ou est-ce qu'on s'amuse à sonoriser un petit peu tout ça? Alors, allez. Ah oui, allez, parce qu'il y a le son aussi, il ne faut pas oublier. Allez, un petit sondage, Paul, Sound, et donc là, à vous de me dire, donc, est-ce qu'on fait le son, ou les sons, ou la barre de puissance? Et donc là, hop, son, et donc, barre de puissance. Allez, vous avez une minute, à vos sondages, les enfants, tac, on est parti. Paul Sound, c'est qui, on le connaît? Ah, c'est l'identité secrète de Super Greek. En fait, quand il se déplace dans la vie civile, il s'appelle Paul Sound. Et en fait, quand il passe en mode super-héros, ça devient Super Greek. Il déchire sa... Ça porte pas de chemise à cochon dans la vie civile. Comment ça se passe, d'ailleurs, pour Super Greek? Parce que tu vois, Superman, il peut planquer son costume sous ses vêtements de tous les jours. Ah, voir quand même une facture en chemise, Superman, c'est terrible, mais bon. Mais un cochon, sa vie à poil la plupart du temps. Alors, tu la planques où, ta cape? Je veux pas de réponse. Ne répondez pas à cette question. C'est hors de question. Hein, voilà. J'aurais jamais dû la poser, celle-là. Aïe, 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 aïe. Bon. Alors, ce vote, il en est où? Il en est que c'est quasiment terminé. Ah, vous êtes quand même... Vous avez envie qu'on fasse les sons. Eh ben, ok. Dans un anneau magique. Oh, quelle belle et subtile réponse. Mais oui, un anneau magique, tu l'as accroché au nez. Hein? Bien évidemment. Comme ça, tu sais, comme les chiens ou les chats, tu leur mets un collier, puis tu as un petit cylindre dans lequel tu mets l'adresse et les coordonnées du propriétaire. Et ben là, c'est pareil, Super Greek, il a ça au niveau d'un anneau dans le nez, et donc dedans, en fait, il a sa cape qui est rangée. Sa cape et son slip bleu. Le slip bleu est très important, on a passé beaucoup de temps à faire le slip bleu la dernière fois, qui au final est caché par la cape en grande partie, mais voilà, il a son slip bleu, faut pas déconner. C'est un super héros, il se balade pas avec le zigounette à l'air comme ça. Non, 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 pas de ça chez nous, s'il vous plaît. Bon, on digresse légèrement. Hein. Alors, il nous faut du son. Il nous faut un son. Et vous savez, les bruitages à la bouche. Je ne sais pas si j'ai encore eu raison de dire ça. Donc, on va passer pour la première fois de la vie de cette chaîne. Je pense que je vais pas en avoir besoin, quoique avoir. On va passer en mode micro dans le champ de la caméra. Micro dans le câble tire un petit peu, mais ça devrait bien se passer. Donc là, je pense que jamais vous ne m'avez entendu. Ouais, s'il y a quelques exceptions quand je m'amusais à faire un pseudo ASMR, mais voilà, donc là, aujourd'hui, nous sommes en mode vlog. Et donc, je vais vous raconter la belle histoire de Super Greek et de sa capacité à ranger sa cape dans son anneau magique. Mais oui, mais carrément. Ah oui, on entend bien maintenant. Tu m'étonnes. Bah c'est sûr que là, d'un seul coup, le micro, il est juste à côté de moi, alors que d'habitude, il est à... Je le mets hors champ, quoi. Je le mets un petit peu plus loin. J'essaie de le mettre, voilà, à peu près par là, de manière à ce qu'il soit pas dans le champ de la caméra. Donc forcément, vous êtes un petit peu plus loin que moi. Mais c'est sûr que là, je pense que le son doit être de tout à fait meilleure qualité, peut-être même un poil trop fort pour vos petites oreilles. Il faut que je fasse attention, parce que je vois qu'effectivement, la barre du son a tendance à aller un peu dans le rouge. Bon, donc du coup, alors il y avait effectivement la notion du piou-piou-piou, mais le problème du piou-piou-piou, c'est qu'il faudrait faire piou-piou-piou. Voilà, et le problème, c'est qu'on aura tendance à faire du piou. Et là, ça fera juste piou. Ou à moins que ça fasse piou 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 piou, et là c'est pas très drôle. Par contre, on pourrait faire une espèce de truc genre, vous voyez, ça peut peut-être être sympa. Alors surtout que bon, après j'ai aucune compétence en traitement sonore, en traitement son, traitement sonore, etc. Donc ça va être autre chose.
Mais bon, normalement, j'ai Audacity installé sur, sur ce petit PC. Donc, on va aller chercher Audacity. Oui, il est là. Voilà, bonjour Audacity. Alors, j'avais pas fait de mise à jour. Donc, normalement, j'ai de mémoire, je devrais pas avoir la version qui a été rachetée, etc. Mais c'est pas dit. Je sais pas, est-ce qu'il s'est mis à jour tout seul ? C'est possible aussi. Bon, enfin, bref, c'est pas grave. Donc, normalement, j'ai Audacity qui est ici. Alors, on va vérifier dans les préférences. Est-ce que le micro... c'est bien le bon. Alors, je suis bien sur le Bird, bon, stéréo sur un micro, pas sûr que ce soit vraiment pertinent. Mais la question aussi, ah, merde, j'ai pas oublié de regarder ça. Bah non, tu m'iras, je suis sur un micro. On va voir. On enregistre, on fait blablabla bla 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 bla, et apparemment, bah, on peut dire que ça passe. Hein. Je vais vous activer l'audio du bureau. Et donc là, normalement, on enregistre, on fait blablabla bla 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 bla. Effectivement, ça a fait blablabla blablabla blablabla. Ah oui, ça fait, ça fait sabre laser. Oh merci, merci Seb. Ça me fait vraiment très plaisir. Là, je me sens Jean-Michel Bruitage, si tu veux. Ça fait vraiment très très plaisir. D'ailleurs, oui, on pourrait dire que Paul Soon, c'est le beau-frère de Jean-Michel Bruitage. J'espère que vous avez tous la référence. C'est important. Les moulins du bruitage. Ça va être ça. Bon, alors du coup, ça, pouf, on pelte. Et il nous faut donc ce son du laser. Alors, sachant qu'on a le son du laser, et ensuite, bien sûr, il va falloir le son quand on détruit les arêtes. Alors, pour la destruction des arêtes, on pourrait imaginer un plop. Ça pourrait être assez rigolo. Qu'est-ce que vous pensez du plop comme son de destruction des objets, en tout cas au moins des arêtes. Faut un bruit d'os. Alors, je te dis tout de suite, Seb, je vais pas me briser un tibia pour vous. Il n'en est pas question. Je conserve l'intégrité de mes os pour un élève et clé de bras. Alors si, normalement, qu'est-ce que j'ai ? J'ai pas de bouteille en plastique, là. Parce que souvent, le bruit d'os brisé, tu prends une bouteille en plastique, et puis... Ah, Léo, elle est carrément avec les spaghettis. Ah non ! Le bruit de l'eau, demandez à ton chat, chien, de manger... Attends, va. Pour le bruit de l'os, demande à ton chat, chien, de manger un os. Ben, j'ai ni chat, ni chien. Au grand désespoir de ma femme, qui, je sais, aimerait bien avoir un chat. Mais pour le moment, il n'y a pas d'animaux de compagnie à la maison. Pour la destruction, il faudrait un objet caillou dans l'eau. Bloop. Ah non, mais attention, on a dit qu'on faisait quand même des bruitages à la bouche. On va pas rentrer dans des bruitages sophistiqués. On est quand même dans un jeu à la con. Faut qu'on conserve le principe jusqu'au bout. Si à la fin, on a des effets sonores dignes du meilleur film de science-fiction, pour je vous rappelle, un jeu comme ça, faut peut-être rester modeste, pour qu'il y ait une certaine cohérence sonore aussi. Hein. Bon écoutez, je vous propose, on va faire un premier enregistrement, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'espère vraiment, je vous hurle pas dans les oreilles. Ils ont tous baissé le son, tu sais, sur les téléphones, sur les PC, sur les écrans. Gosse craquer les doigts, simple et efficace. Ah, ça peut être effectivement, le décalage serait drôle. Tu veux que je prenne les sons Star Wars et puis on les intègre dessus, c'est vrai que ça pourrait être rigolo. Alors pour les doigts... Ah, c'est un loupé absolu. Rien à craquer, j'ai des articulations qui sont parfaitement huilées, il n'y a pas de bulle d'air qui se balade là-dedans. Parce que vous savez d'ailleurs que le bruit de craquement des os, ce qu'on appelle le craquement des os, en tout cas le craquement des doigts, c'est souvent des bulles d'air en fait qui sont prises au niveau du cartilage, qui sont compressées et qui finissent par claquer. Tu veux que je t'envoie des bruits de craquement, test fail. C'est exactement ça. Moi j'ai pas les doigts qui craquent. Bah ça dépend en fait des jours, hein. Des fois ça le fait, mais là je le fais sur demande, tout comme Xen. Ah bah voilà, ah, là, ça c'est la jeunesse, ça. Moi j'ai souvent, enfin tous les ans, j'ai un étudiant qui est là, qui arrive en cours, clac 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 clac, puis après crac crac. Les mecs, ils craquent de partout et ils font ça à longueur de temps. J'ai dit, attends, gars, arrête, tu... Bah, à force, j'ai mal, quoi. Bon. On va déjà essayer de faire le laser. Le laser, moi, je pense qu'un un petit peu, vous voyez, prolongé de manière le plus longtemps possible, qui correspond notamment à un temps qui est supérieur à celui de la jauge de puissance, ça peut être sympa. Et ce sera mieux. Parce qu'au début, j'avais aussi pensé au piou-piou-piou, mais là, je pense que ça va pas le faire, du coup. Allez, je tente quelque chose sans postillonner partout. On va avaler la salive pour avoir la bouche la plus sèche. Et on est parti.
Voilà, bon, on va voir ce que ça donne. Alors, bien sûr, il faut que j'arrête d'enregistrer quand je parle, parce que sinon, hein, c'est pas possible. Donc ça, pouf, on supprime. Je pense que même la petit crachouillou qu'à la fin, on peut supprimer aussi. Et alors, qu'est-ce que nous donne ce petit son? Allons-y, écoutons. Je l'ai pas dû me mettre au début. Hop. À la fin, ça fait gros bourdon. Ça fait gros bourdon qui s'est pris une fenêtre, tu sais. Bon, alors admettons, on va virer le petit son aussi au début. Si on sélectionne tout ça, est-ce qu'on peut ajouter un effet qui permettrait peut-être d'avoir quelque chose d'un peu foufou? Je ne sais pas trop ce qu'on peut lui faire. Peut-être pas un wah-wah. Je pense qu'un wah-wah, ça va être compliqué. Oups, ça l'a déjà appliqué? Oula, ah oui, ça a dû faire quelque chose. Et voir, ça donne quoi, ça? Bon, en même temps, ça fait un petit peu essoreuse de machine à laver. Ou pompe, je sais pas, mais je pense qu'il y a un petit truc à faire. J'espère que je suis pas le seul. Son rire, il est légendaire. Tu parles de mon rire à moi? Ah mais dis donc, il se fout de la gueule de mon rire, le garçon là. Ouais, je pense qu'il y a un petit truc. On va voir un petit peu ce qu'on peut régler dans les réglages merci Captain Obvious. La fréquence, on est à 1,5 Hz. Je pense qu'on peut augmenter la fréquence. On va se mettre sur du 3 Hz, ça va le faire 3 fois par seconde. Ça pourrait être mieux en termes de dynamisme du laser. Qu'est-ce que ça nous donne? Écoutons. Ok. Je serais tenté de dupliquer la piste. Est-ce qu'on peut dupliquer une piste? Oh, sûrement. Je sais plus, ça, fichier, édition, dupliquer, hop. Imaginons qu'on fasse un truc, justement, où sur la piste numéro 2, voilà, j'applique l'effet. Comme ça, donc en 3, machin, truc et tout, et que je garde quand même sur la piste numéro 1, mais avec un volume, du coup, moindre, en superposition. Eh, hey, je vous dis, on va arriver à un truc. Il y a moyen d'arriver à un truc là-dessus. Et puis, celle-là, qu'est-ce qui se passe si justement, vous aviez parlé de mettre un peu de réverb. Qu'est-ce qui se passe si je mets un tout petit peu de réverbération de base? Voilà. Qu'est-ce que ça va nous donner? Attention. Ouais, ça donne un écho. Je sais pas s'il est forcément parfait. Tu sais, tu peux prendre un audio sur un... Oui, non, mais ça, c'est pas le but, Yukinanu. Yukinanu, on a dit qu'on faisait les bruitages à la bouche. C'est important. On est sur un jeu de base. Donc, on fait des bruitages de base. Si on va piquer des sons sur Internet, on va avoir un truc, il va y avoir un écart un petit peu violent. Alors, vous êtes plutôt avec ou sans la reverb? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non mais moi je meurs. Alors, avec l'effet bourdon à la fin. Bon, je crois qu'on va garder la réverb. Qu'est-ce que vous en dites? Vous ne me dites rien. Bon, on garde la réverb. Allez, fichier. Avec la réverb, sans la version... Ah, tu voudrais pas la version de base, toi. Tu penses que... silencé. Voilà, c'est pas mal. Ça, silencé, c'est mignon. Je trouve qu'on n'entend pas assez le... Le souffle, si tu veux, sans la version de base. J'ai voulu regarder ASMR sur Twitch pour voir les sons. Ça a changé, Twitch. Oh, qu'est-ce que t'as trouvé en ASMR? T'as trouvé un gros barbu qui... Moi, je dis ça. Qui te faisait une voix sensuelle et suave. Oh mon capoum, oh mon capoum.
Bon, allez, vote. Allez, du coup, on se sent obligé d'aller voir, enfin d'écouter. Moi, non, moi, je ne le ferai pas. Non, non, je ne ferai pas. Le monde de l'Internet est trop chelou pour... tu mets ASMR aujourd'hui. Non, je... non, 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 non. Allez, j'appelle Pool Version. Et donc, quelle version du son? Alors, original, only. Donc ça, c'est le premier, la piste du haut seulement. Original plus reverb plus le premier qu'on avait mis c'était un wah-wah. Ou alors original plus wah-wah seulement ou wah-wah plus reverb ou wah-wah tout seul. J'ai fait des fautes, c'est pas grave. Allez hop. Ah, ça, c'est un sondage compliqué, il y a 5 propositions, quoi. Vous avez voté pour original, reverb et wawa. Eh bien, écoutez, c'est parti. Nous allons donc sur un exporté. On va exporter ça. Bon, MP3, on va Vorbis. Ouais, non, allez, on est des dingues. On va faire du bon vieux MP3. On va aller se mettre ça dans le dossier up du site. Comme ça, on sera tranquille. Pouk. Ouais. LMD. Super Greek. Ah d'ailleurs, on pourrait faire une chanson super grave. J'avais pensé à Bob Moran. Vous voyez, égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Super Greek. Voilà, donc ça pourrait être. Ça pourrait être. Ou alors, je ne sais pas si je vais retrouver cette vidéo de Super Cat. Non. Alors, Super Cat russe. Je crois que dans la vidéo spéciale Russie. Voilà. Est-ce que vous avez connu... On va pas être embêté hein, si je publie ça. Hein. On est parti. Parce que là, on pourrait imaginer Super Greek. Super Greek. Ça c'est pour vous. Hein, Super Greek, ça pourrait faire. Ah, donc là, je compte sur vous. Je vous laisse publier des choses sur le Discord. Et j'arrive sur cette super hymne. Salut Wizrou, bonsoir à toi. Ah là là là. Plus qu'à trouver un cochon là. Bah voilà. Fais gaffe les copyrights. Oh, je sais pas s'il y a un copyright sur celle-là. À mon avis, quand même, on est tranquille. Et puis, t'as vu, je l'ai diffusé en petit, etc. Ça va passer. Ok, donc. On a notre son de chat. Non, j'ai toujours pas enregistré. Donc on va aller dans le dist. On va se créer un dossier sounds. Et puis là, je vais l'appeler laser. Laser.mp3. Voilà. Hop. Vos pistes seront mélangées et exportées en un fichier audio. Mais oui, mon ami, mais oui. Nom de l'artiste, ouais, bon, hein, on s'en fout un petit peu de l'artiste. L'artiste, c'est moi, voilà. Si quelqu'un me met un claim là-dessus, hein, ça va chier. Donc on a ça. Et là, maintenant, l'objectif, c'est de diffuser le son. Alors, je crois que dans PixieJS de base, on n'a pas de possibilité d'émettre du son. Il y a un truc qui s'appelle Pixie Sound, que j'avais vu. Mais dans Pixie, ça va être... Bon, alors attendez, je vais vous éloigner un petit peu de moi, parce qu'au bout d'un moment, je vais vous saouler, vous parler comme ça dans les oreilles directement. Ouais, donc c'est ça. Donc, je pense qu'on va le faire pour le moment avec un bête son qui va être joué comme ça. Là, j'avoue, j'ai pas réfléchi à comment j'allais intégrer le son là-dedans. Là, l'idée, c'est de l'intégrer un petit peu dedans. Alors, je pense que je vais l'intégrer à la moche. À la moche, oui, aussi à la moche. On va générer le son, on va charger le son, on va précharger le son à la création de Super Greek, et puis on va le jouer quand on tire. Donc,
On va se mettre pour le moment un son là-dedans. C'est quoi le type d'un son? C'est un audio. Alors, audio HTML, audio element, peut-être. C'est du Star Trek. Oh, vous êtes trop bon avec moi. Alors, j'espère que c'était positif, hein, mais en tout cas, je le prends comme ça. Donc, on va se faire un. Pour le moment, je vais juste faire un private laser sound. On va le mettre en HTML. Je pense qu'il y a un audio element. Voilà. Et puis, on va tout de suite l'initialiser. Excusez-moi. C'est rototo parti ce soir. Hein. Donc, this.laser audio, laser sound, pardon, est égal à. Je pense que je suis obligé de quand même de passer par un document. Ça, c'est pas top, ça. Mais bon, je réfléchirai plus tard à comment est-ce que je le fais. Parce que je pense pas que je puisse faire un new HTML audio element. En général, quand tu fais ça, tu as le navigateur qui dit Hey Coco, si tu veux créer un truc audio, tu passes par document.create et tu fais pas ton truc tout seul dans ton coin. Espèce de. Voilà. Donc, ouais, je vais le faire comme ça pour le moment. Et puis, on verra après si on trouve une autre solution. Et donc là, on va faire un composant audio. Ensuite, on va faire notre this.laser. Sound.src est égal. Donc là, nous, ça va être, on a dit sounds slash, c'était laser, hein, point MP3. Hop. Et puis, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que quand on start fire, on fait un this. LaserSound.play et quand on stop fire, on fait un this.LaserSound.pause. Mais moi, il y a pas de stop. On fait pause. Ah, par contre, play. Est-ce qu'il va repartir depuis le début? Je ne sais pas. Alors déjà, je ne sais même pas si on va l'entendre parce que j'ai pas ajouté le son au document. Donc, je sais pas. On va voir un petit peu ce qui se passe. S'il se passe quelque chose ou pas. Ok, alors j'ai oublié de vous remettre l'audio. Hop. Ok, donc il se passe un truc, par contre, vous ne l'avez pas entendu, mais comme il y a le chargement du son au début. Ou alors c'est peut-être juste parce que le son, il démarre pas exactement tout de suite. Il y a un petit temps. On va le refaire. Waouh, j'ai peut-être un petit peu beaucoup zoomé. Voilà, ça, là, on va le supprimer. Alors par contre, ce qui est con, c'est que ça ne me l'a pas supprimé partout. Comment je fais pour supprimer sur les deux pistes? Je peux faire un truc. Les enfants, j'aurais bien voulu que ça supprime partout. Ah, d'accord. En fait, il suffit de faire Shift au moment où tu. Ah non. Ah, attends. Je passe ça. Mais il va aller partout. Voilà. Ok. Et supprimer. Ok, très bien. Parce qu'il faut quand même qu'on garde la synchro entre les deux pistes. Non, ça va pas être foufou tout ça. Donc exporter en MP3 comme d'habitude, toujours sur laser.mp3, que oui, que je valide. Allez, nom d'artiste. On le met ce coup-ci. Les moulins du dev, paye ton artiste. Nom de la piste. Donc là, j'actualise ma page. Et est-ce que le petit décalage, on l'a toujours? Ouais. Après, c'est bon, mais au début, on l'a. Bien, bien, bien. Alors, je me demande si on n'a pas un truc du genre this.laser. Il n'y a pas un truc du genre. Voilà, preload. Et ça, c'est quoi? C'est un booléen, c'est une méthode, c'est quoi? Preload, get set the current playback position in seconds. Ça fait quoi ça, preload? HTML audio element preload. Alors, c'est un attribut. Oui, blablabla. The prod is ignored if autoplay is present. D'accord, donc la valeur, c'est auto, metadata ou none. Donc, on va ici auto, metadata, when the page loads. Je vais mettre auto. Donc, égal, auto. Alors, est-ce qu'on gagne un petit peu en temps par rapport à ça? Donc, maintenant, est-ce que quand je clique,
Ouais, effectivement, là, il n'y a plus de décalage. Alors, par contre, le seul truc, c'est que quand on commence, quand on tire, une fois qu'on relâche et qu'on refait donc resume, hein, quand on fait play, il faudrait qu'il nous remette le son au début. Donc, this.lasersound. Est-ce qu'il y a un seek ou un truc Il y a seeking, seekable. Comment est-ce que je peux le replacer au début? Donc j'ai loop, cross origin, load, autoplay. Est-ce qu'il n'y a pas un truc genre peut-être position? Non, il n'y a pas position. Alors, hop. HTML audio. Back to begin, start. Start over. C'est start over, auto.play, ah, current time, ok, ce serait donc current time, donc on a dit current time égale 0 pour se remettre au début du son, et donc là normalement, sous nos yeux ébahis, moi je dis on est bon là. Là, il y a un petit loup. Vous voyez, quand je bouge, en fait, le son se réinitialise. Donc là, il y a un petit cookie, là. Là, il y a un petit souci. Alors, c'est que quand on bouge... Bonjour, mon homme. Au nom d'un petit bonhomme. Alors, pour ceux qui se demandent ce qui se passe, ma femme vient d'arriver. Elle vient de rentrer du boulot. Et elle était à la porte et elle bougeait pas. Je dis, tiens, c'est bizarre. Je me retourne, je dis bonjour. Et là, en fait, elle tient les restes d'un pain surprise dans la main. Oui, oui, j'en veux bien une petite tranche. Allez, hop, ça, c'est pour Bibi. Les couches sont pas les mêmes. Oui, bon, c'est pas grave, ça m'a l'air pas mal, ça. Donc, bon appétit. Hein. Oh oui. Alors, c'est très bon. Je valide. Bon, repas du soir. Quoi? Repas du soir. Tu nous mets une bouteille au frais. Comment? Très bien, très bien. De toute façon, je vais bientôt terminer. Voilà, interaction en direct, bah oui, bah c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et donc, bah bon apéro. Je veux le même. Merci Cool Freeze. Bon, alors, oui, je disais, on a un petit souci quand on bouge. Le laser, donc normalement, donc if this.power, alors, le power, donc ça forcément, et donc là j'ai le this.engage, et en fait, ce que je fais, c'est que quand je bouge la souris, je rappelle la méthode startFire pour justement changer les coordonnées. Du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est que cette partie-là, on va la mettre là, et on va la faire uniquement si on n'a pas this.engage. Donc, si on n'est pas déjà engagé, si on n'est pas déjà en train de tirer, ben on met le boulet à un vrai, et puis on déclenche le son. Et donc là, normalement, je pense que ça va être beaucoup mieux. Voilà, c'est là, il n'y a plus de soucis. Ok, cool. Bon, bah écoutez, voilà. Franchement, j'adore. Alors, j'ai bien envie de faire un petit truc quand même. J'ai bien envie de faire le plop. Le... ça pourrait être sympa aussi, ça, le... Vous savez, comme... c'est quoi qui fait dans Minecraft? C'est quand vous avez des trucs qui apparaissent. Ou quand, je sais plus, quand vous cassez une citrouille, ça... Ou non, c'est quand la poule pond. Quand la poule pond un œuf, ça fait... Salut, Valentin. Bonsoir à toi. Hein, on pourrait faire ça, on pourrait faire un bruit d'œuf de poule. Oui, puis quand tu récupères des objets, exactement. Ouais, ma femme rentre à 20h45. Ah, voilà. Voilà, ma chérie. Tu vois, c'est dit dans le chat. Ta femme rentre à 20h45 du taf. C'est tard. Oui, oui, on est d'accord. On est d'accord. Bon, en même temps, tu vois, moi, j'y suis encore. Hein. C'était le pot de départ d'un collègue. Ah, c'était le pot de départ d'un collègue. Bah, si c'est le pot de départ d'un collègue, dans ce cas-là. Si c'est... Est-ce que c'était au chalet? Non. Non. Parce que bon... Si c'est au chalet. En même temps, c'était pour le travail.
Ouais, on est des grands fans de What the Cut. Voilà, on est des grands fans d'Antoine Daniel, on va pas se le cacher. Voilà, donc dans sa période YouTube, la période Twitch, je suis moins fan. Même si, bah oui, ça reste du YouTube. Les dernières collaborations qu'il a fait avec Joueur du Grenier étaient assez sympathiques. Les jeux testés étaient plutôt cool. Bon, allez, on se fait ce bloc, et puis vous avez vu, après, moi, je vais aller manger. Je disais que j'étais en phase rototo, mais alors là, c'est total. Donc, on va essayer plusieurs trucs. On va quand même se l'enregistrer, celui-là. Sauvegarder le projet concerne la sauvegarde... Oui, non, mais merci, je sais ce que c'est qu'enregistrer, quoi. Vous êtes mignons, les gars, mais... Faut peut-être pas non plus nous prendre pour des neuneux. Donc, laser, super gruic. Enfin, je vais mettre super gruic laser, ce serait plus logique d'ailleurs. Donc, super gruic laser. Hop. Un coding game, toi versus ta meuf. On élit le best dev de la maison. Et après, celui qui l'emporte, bien sûr, remplace l'autre sur la chaîne Twitch. Hein, et donc, vous voulez me remplacer, c'est ça. Hein, vous en avez marre de voir ma trogne. Et vous dites, voilà, Moulin, il est mignon, mais on préférait voir sa femme. Bon, allez, on est parti. Attention, bruitage. On va en faire plusieurs. Plop. Voilà, on a plusieurs sons. Alors, techniquement, ça va aussi nous permettre de faire des choses. C'est qu'on pourrait avoir un son random aussi, pour pas toujours avoir le même. Alors, attention, on écoute. Plop. Ah. Plop. Ah. Celui-là, il est pas mal. Plop. Celui-là, il est pourri. Plop. Pourquoi pas. Mais, ouais, moi, je garderais bien le premier et le dernier. Qu'est-ce que vous en dites? Même si le dernier est peut-être en fait le mieux. Bon allez, je vais supprimer les deux premiers, je vais garder celui-là déjà. Celui-là, hop, qu'est-ce que ça donne ça? Hop. Alors, c'est toujours pareil, il va être un peu long à démarrer. Donc on va supprimer le temps initial. On va même y aller franco, hein, même le tout début, on va virer. Et puis la fin, on va virer aussi. Ouais, ça c'est pas mal. Donc là, hop, on exporte. Et donc là, ce sera plop, hein. Comme ça, on pourra se mettre un petit random pour éventuellement en avoir plusieurs. Alors, .mp3, je ne sais pas s'il met l'extension automatiquement. Nom de l'artiste, évidemment, les moulins du dev. Eh. C'est déposé, ça, monsieur, voilà. Il y a du budget pour le bruitage. Ah, mais attends, eh, ça rigole pas, hein. Le dernier est pas mal. Ouais, on est d'accord, Léo. Bon, on va déjà mettre celui-là, et puis après, on verra. Donc, je vais maintenant, cette fois-ci, sur... peut-être le waste, tout simplement. Le waste qui devrait avoir, qui peut redéfinir la méthode destroy. Donc, destroy, et puis c'est tout. Et donc là, ce qu'on va faire, pareil, un waste. Alors, je le mets là, mais on pourrait... Ah oui, ce serait pas mal, ça. Oh, oh là là, oh là là, oh, 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 les idées, oh mon Dieu. Donc, on va mettre sounds. Sound type, ça va être du HTML audio element, voilà, comme ceci. On va dire dans le constructeur que this.sounds est égal à crochet. Pourquoi me veux-tu du mal? This.sounds. Ah oui, quel con. Non, là en fait ce que je veux c'est que ce soit un tableau. Justement, pour qu'on puisse avoir ce côté random de possible. Donc voilà, un tableau. Et on va laisser comme ça pour le moment. Et donc dans destroy, on fera un this blub. Donc on va faire un const isound est égal à mat.random multiplié par this.sounds.length. Voilà. Et puis tout ça, bien sûr, il faut qu'on l'arrondisse, il nous faut une valeur entière. Donc on va faire un mat.floor pour avoir un arrondi par défaut.
Et ensuite, on va faire un this.sounds.crochet.isound.play. Sachant que de toute façon, il est censé être joué qu'une seule fois. Alors, c'est sûr qu'on va charger de la musique, une musique, un son par poisson. Donc là, c'est peut-être pas ouf, il y aura peut-être moyen de faire autrement pour mieux gérer, mieux optimiser les sons, avec peut-être un manager de son, puis dire tiens, tu joues tel son, et comme ça, ils sont tous chargés qu'une seule fois et on est tranquille. Bon, on verra pour la partie optimisation une autre fois. Et bien sûr, tout ça, ça vaut si this.sounds.length est supérieur à 0. Sinon, ça n'a pas de sens. Ok, donc là, on est bon. Il me reste quand même à ajouter un son, donc je vais aller dans mon wastefish ici, et au moment où je construis dans le constructeur, eh bien je lui mets un, ce serait quand même mieux, je vais mettre un this.addSound, et le son ça va donc être sounds slash, on avait dit, plop-1.mp3. Donc on va mettre ça, je vais quand même faire la méthode addSounds dans waste, add sound, je vais arriver à le dire. Donc add sound, on a le file name qui va donc être une string, et donc là nous ce qu'on va faire, on va faire un this.sounds.push de sound. Mais c'est quoi sound? Et ben sound c'est justement un document.create. C'est quoi, c'est create element? Je sais plus. Ouais, create element de audio. Ensuite, sound.src est égal à file name. Ensuite, sound.preload est égal à auto. Sous la forme d'une chaîne de caractères, s'il vous plaît. Hop. Vous avez vu, je parle moins fort pour pas vous détruire les oreilles. Hein, vous voyez, parce que le micro est toujours juste à côté de moi. Maintenant, je vais pouvoir monter le volume parce que je vous mets un peu plus loin. Et donc, comme ça, on a notre méthode addSound qui précharge automatiquement le fichier, qui nous met notre petit bidoule qui va bien ici. Et donc, ensuite, on va pouvoir jouer notre son au moment de la destruction. Et alors, qu'est-ce que ça va nous donner tout ça? Bah, normalement, que des bonnes choses. On actualise. On est... Alors. Ah. C'est rien passé. J'ai pas eu le plop. Pourquoi j'ai pas eu mon plop? Alors, voyons. Destroy. J'ai mon sound.machin bidule schmurk. J'ai bien fait le push, est-ce que j'ai le destroy qui est appelé? Ah! Wastefish. Ah, c'est wastefish pixie. Destroy. This point, non, c'est parent.destroy. Donc j'appelle la méthode parent. Elle est... Comment ça? C'est pas parent? Ah, c'est super! Excusez-moi, je suis con. Là, j'appelle la méthode de destroy du parent. Sinon, ça va pas le faire. Et donc là, on est reparti. Attention. Ah! Qu'est-ce qu'il me dit? 404, notre fin. Ah, c'est pas le code. Ah, j'adore. Ah, c'est bon. Ah, le son, il est quand même excellent. Ouais, on peut travailler chez Mojang, hein. Ah, c'est bon, on peut aller bosser chez Mojang. Il n'y a pas de problème, il y a de la place pour nous. Ah, c'est excellent. Bon, écoutez, je crois qu'on va terminer sur cette petite touche tout à fait enfantine. Moi, je suis un gosse. Là, pour moi, c'est Noël. Voilà, je m'amuse comme un dingue. Voilà, du coup, ben, prochaine fois, oh, je crois qu'on va continuer, hein. je crois qu'on va continuer la série, on tient un truc, waouh, merci Aléo, j'adore, yes, et ouais, je crois que la prochaine fois, on continue, on va faire le GUI, on va le torcher ce jeu, en fait. Bon, je trouve que ça marche plutôt pas mal, hein. Bon, écoutez, en tout cas, c'est cool. On a réussi à faire à peu près ce qu'on voulait. Bon, il n'y a pas la barre de puissance. Du coup, ce sera pour la prochaine fois. C'est pas grave. On a aussi beaucoup de chatté. J'ai beaucoup de chatté pendant la première heure. Si j'étais pas parti dans des digressions folles pendant une heure, on aurait eu le temps de finir de créer justement le GUI. Bah, c'est pas grave.
On va faire ça la prochaine fois, la semaine... Ah oui ! Ah mais oui, je me disais, mais j'entendais... Vous entendez ? Mais oui, mais c'est parce qu'en fait, les objets, quand ils sortent de l'écran, ils sont détruits. Voilà. Excellent. Donc voilà, c'est logique, c'est normal. J'adore. Franchement, je suis un gamin, là. Parce que là, tu te dis, à chaque fois que tu l'entends, sans entendre le laser, c'est des coups de pompe, normalement, que tu te prends. Alors, peut-être que ça pourrait être un autre bruit, justement, dans ce cas-là. Mais voilà. Mais oui, exactement. À la base, c'est vraiment ce que j'avais en tête. Je me suis vraiment parti en me disant, super Gruick, super héros, mais c'est quoi son truc? Et je me suis dit, la thématique du moment, c'est l'écologie. Bon, bah allez, on va faire un super Gruick écolo. Et puis, donc, il détruit les déchets. Il vaporise les déchets. Attention, il ne les fait pas brûler, parce que sinon, ça dégage du dioxyde de carbone, plus des dioxines, et ça, c'est pas bien. C'est pas bien, le dioxyde de carbone, c'est pas bien. Hein, donc voilà. Bon, écoutez, en tout cas, vraiment, ça a été un plaisir de faire ce petit live avec vous ce soir. Prochain live, vraisemblablement, jeudi. Et donc, jeudi prochain, 18h. Coup-ci, on se fait une petite interface, et puis une fois qu'on aura terminé ça, on rajoute d'autres déchets. Dans le principe, les déchets se déplacent tout seuls. Sous-entendu, c'est pas le jeu, c'est pas la partie game qui leur dit vous déplacez de tant de pixels. C'est on leur dit voilà, il s'est écoulé tant de temps depuis votre dernier update, à vous de gérer votre déplacement, sachant que vous connaissez votre vitesse. Ce qui veut dire qu'après, on peut imaginer aussi des déchets un peu moins simples. un peu moins simples que des arêtes. Par exemple, qui pourraient bouger. On pourrait imaginer des véhicules, par exemple. Un véhicule qui aurait un mouvement un peu sinusoïdal, comme ça, qui serait peut-être plus difficile, plus compliqué à attraper. On pourrait aussi imaginer des points de vie. Bref. Il y a des trucs. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc vraiment sympa et de s'amuser, de voir des choses assez rigolotes. Donc voilà. En tout cas, pareillement, un bon appétit à toutes et à tous si jamais vous n'avez pas mangé, en tout cas pour ceux qui n'ont pas mangé. Bonne soirée et bonne nuit pour ceux qui vont aller se coucher. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore d'avoir été présent ce soir et puis à très bientôt. Ciao !